Salut YouTube, un petit tutoriel pour vous montrer le mode garage sur une clé de contact d'Ami 8. Donc nous avons le volant qui est bel et bien bloqué par l'antivol du démarreur. Donc nous y insérons la clé, on tourne, le volant se libère. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Donc nous avons la position neutrale, la position que quand on a démarré, la clé revient automatiquement. Donc là, si je vais totalement à droite, la voiture démarre, je reviens, je suis en position neutre, là je suis en position fermée. Alors à quoi sert le mode garage? Le mode garage permet de retirer ses clés sans enclencher l'antivol et donc pouvoir garder la possibilité de diriger l'auto. Donc du coup, il suffit de retourner en position neutre, tout simplement. Et comme vous allez le voir, il suffit tout simplement de prendre sa clé, de tirer un peu vers soi. Donc nous sommes toujours en position neutre. On prend sa clé, on tire vers soi et à peu près à un moment donné, en tournant un peu vers la gauche, la clé se retire toute seule. Et vous voyez donc que je ne suis plus embuté totalement vers la gauche. Donc du coup, là, le volant peut totalement bouger. Donc du coup, ça, c'est sur les contacts. C'est uniquement sur les contacteurs d'origine Citroën d'époque. Simplex sur celui-là. Et donc du coup, là, hop, je retire ma clé. Là, on a bien entendu l'antivol qui s'encloche et le volant qui est bloqué. On recommence. J'insère la clé. Je tourne. Je démarre. J'arrête. Je coupe le moteur. Et si je veux le mode garage, je tire un peu la clé vers moi et je tourne un peu légèrement à la gauche. La clé sort toute seule. Voilà, je suis en mode garage. Le volant est totalement libre, mais le contact est coupé et personne ne peut démarrer la voiture. Donc voilà, un petit tutoriel simple et sympa pour montrer que cette petite fonctionnalité était disponible à l'époque, mais n'est plus disponible aujourd'hui sur nos autos et sur les contacteurs qui sont refabriqués. Dommage, puisque c'est une option assez intéressante pour pouvoir diriger l'auto lors d'une restauration, comme on peut le voir ici, hein, l'auto est en pleine restauration. Voilà, j'espère que cette vidéo est finalement assez intéressante. Et instructive parce que bon, c'est un mode que personne ne connaît. Voilà. Salut!